Maniga, maniga, bene, voglio il tuo male. Maniga, maniga, bene, voglio il tuo male. Vuoi maniga, vuoi maniga. C'est les différentes organisations qui là. Nous avons CERE qui est collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti. Nous avons CEF, coalition des écoles de Barreux. Nous avons des Cités Soleil, coalition des écoles de Barreux et Cités Soleil. Nous avons responsable des directeurs d'école de la 3e circonscription. Le Port-au-Prince qui est avec nous là tout matin. Et nous avons Akaye qui est là, nous avons Codep de Pétionville qui est là, nous avons Gressé qui est là, nous avons Carrefour qui est là. Nous parlons tout le monde là, même bien des représentants des organisations qui est là. Maintenant nous là, notre optique, il y a deux bagages que nous voulons demander. Un, nous voulons demander une subvention. Il y a des promesses nous. Marie-Lucie, des promesses nous depuis avant le 21 septembre. Il y a des banoun. Mais je dis à faire 21 janvier, 4 mois après, nous avons jamais une subvention. Deux, nous là, pour nous réclamer l'argent, suivons nous. Suivons, on ne pas oublier que. Dans tous les pays du monde, l'éducation c'est moteur de développement du pays. En Haïti, nous rendons compte que l'éducation à genoux, l'éducation à peine, et nous prenons bien pas qu'à développement de nos pays sans éducation. Nous en avons avec un paquet de monde qui a dirigé le pays, qui soi-disant sont des responsables, mais malheureusement, ils n'ont pas la hauteur des tâches, ils n'ont pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous là, pas oublier, maman loi pays a dit l'école fondamentale gratis selon article 32, 32.1, 32.2 jusqu'à 32.3 en dans constitution PIA. Et lui-même, elle dit si nous ne pas apprendre, nous avons exigé de faire violence sur eux. Je ne sais pas, mais c'est force à apprendre. Nous, c'est des directeurs d'école. Un, les cahiers dans nous, c'est plus dans nous, c'est crayon dans nous, c'est la crête dans nous. Comprenez-vous que le président Matéli, lorsque arrivé en 2011, en 2011, le président Matéli créé un programme qui est le PSUGO, programme scolarisation universelle gratuite obligatoire, que pour tout le monde à l'école. En dedans, arrêtez, qui a créé le programme ça. Arrêtez à dire que $50 avec 5 centimes sur chaque 1000 d'appel là, uniquement pour les écoles non publiques. Ce qui veut dire école privée. Je dis à. Avec l'arrivée de M. Jovenel Moïse, malheureusement, qui allait d'une façon que nous n'avons pas supposé, pas tout en début d'aller, qui n'a pas jamais payé, qui prend $50, qui voyait dans la caravane, qui voyait $50 dans le bandit, toi, il fait ça avec elle. Mais maintenant, tout le monde constate l'état d'éducation. Gardez 3e circonscription de Port-au-Prince, que le coordonnateur va parler tout à l'heure. Gardez Cité Soleil, que le coordonnateur Soleil va parler tout à l'heure. Gardez ta zone défavorisée. Maintenant, nous avons une situation difficile. Un, nous n'avons pas de possibilité pour nous gérer l'école, nous, local, nous, professeurs, nous délabrer, nous laguer nos états des programmes. C'est ça qui fait que M. Nessie Maniga, lorsque il vient là en décembre, non, fin novembre de décembre, il vient un slogan qui dit l'école, pas qu'attendre. Mais nous-mêmes, les écoles privées, nous pas qu'attendre. Nous pas qu'attendre parce que l'école nous crase. Nous pas qu'attendre parce que nous pas de l'argent pour le payer. Nous pas qu'attendre parce que Pierre Marie Ariel Henry, ton docteur, les patients qui ont des problèmes, ils ont oublié de quitter cette affaire pour aller à l'oxygène, pour le réanimer. Mais nous-mêmes, c'est comme si nous n'avons pas besoin de réanimer. Nous pas besoin. Mais je dis, nous disons, il faut que nous réanimions tout. Parce que l'éducation, c'est une grosse âme qui existe. C'est l'éducation qui réduit les délinquants juvéniles. L'éducation. Ok, moi-même, moi, c'est coordonnateur serré, collectif des éducateurs pour le niveau de l'éducation en Haïti. Moi, c'est-il Mézac, directeur, école mixte, frère Saint-Cyl, 4e avenue. Nous sommes parmi l'école, ils ont pillé, ils ont cassé, mais malheureusement, heureusement, excusez, nous avons fonctionné, nous avons vivre. Non, pas parce que nous avons allégué. Nous avons plus de 4 mois de cela, nous avons chuté avec le ministre, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, qui c'est Marie-Lucie Joseph. Il a dit nous que nous avons 19 millions de dollars contre Corona, il a mis à la disposition de la grande ouverture des classes. Il y a 4 mois de cela, Marie-Lucie, pendant le ministère, m'a demandé où est la continuité de l'État. Côté continuité de l'État.
En dans le pays d'Haïti, pas grand-rien l'État a commencé pour l'autre monde qui vient avec après là pour faire suivi. 19 millions de dollars, ça joue aujourd'hui à dilapider. Nous avons $50 dans le côté président Matéli qui a sorti un décret. $50 ça a été retiré dans chaque transfert diaspora a fait pour capable permettre si les gens dans la zone défavorisée, yo ont dit zone de non-droit pour aller à l'école. 50 c'est là, nous ne pouvons jamais jouer nos gouttes. Et la majorité de si les gens qui sont supposés à l'école, ils ne sont pas à l'école. Je ne dis pas, si les gens sont entrés dans le camp. Si les gens sont entrés dans le camp pour des bandits, c'est eux qui ont des munitions pour bandits, mes amis. Est-ce que nous avons quitté un pays à détruire comme ça? Nous avons l'État irresponsable. Nous connaissons très bien le changement pays. Il doit passer par éducation. Et il doit commencer avec ça qui est plus mal. Ça qui est plus mal, c'est les gens qui sont dans Cité Soleil, les gens qui sont dans la troisième circonscription, les gens qui sont dans la Saline, les gens qui sont dans Belen. Mes amis, qui société n'a construit? Est-ce que nous offrons? Première proposition, nous connaissons très bien le programme Subgoa, son programme. Son programme, président Matéli, il y a un décret qui est sorti, qui ont arrêté présidentiel, qui accouché un programme. Il y a aussi que les pas qu'à mettre un thème avec un programme, c'est un décret qui entre en décret. Nesmi vini, Nesmi crase programme, non? Et Nesmi connaît très bien, il a quitté nous dans la rue, mais Nesmi retourné, mais nous dans la rue. On a demandé comment ça Nesmi décide de faire. Parce que nous sommes à la dernière conférence, nous faisons nous dire Nesmi qui a capacité pour le ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Élevation au Canada, en France. Mais en Haïti, dans la situation nous est là, est-ce que Nesmi a des capacités pour résoudre le problème nous est là? Problème ça nous est là. Ouais, on va aller dans la manière de la manière.